quand même. Vous étiez en 2012 quand même, par exemple, vous pouvez s'attendre à ce qu'il y ait des gens qui sont tout à fait normal, qu'il y ait des noirs qui vivent en France. En 2012, quoi, les mecs, ils sont où les gars, quoi? Ils se sont arrêtés dans quelle station, les mecs, quoi? Ils croisent des gens, ils font... Eh messieurs dames, il y a un tapis de danse. Et c'est pas quoi, là? Non, c'est un tapis de danse, c'est pas un tapis de danse. C'est pas un tapis de danse. Tout en improvisation pour vous ce soir, l'orchestre poétique d'avant-guerre, OPA. Woo!
Du funky. Je profite du moment de silence pour faire un petit peu de publicité. J'ai pas amené de CD, rien du tout, mais pour OPA, si ça vous plaît, si vous avez envie de retrouver tout ça, vous allez dans Google, un moteur de recherche capitaliste dans lequel vous tapez OPA, OPA Bordeaux, OPA 33, OPA Poil-Oculi, vous essayez plein de mots clés. Et vous allez tomber énormément sur notre site internet sur lequel vous avez à peu près une quinzaine d'albums à télécharger gratuitement, donc servez-vous, n'hésitez pas à prendre. Il y a toute une partie où il y a des recueils, des pièces de théâtre, tout ça c'est en libre téléchargement. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer, prenez, diffuser, rechanter, reformuler, écrire sur les murs, faites dans ce que vous voulez. Une fois que c'est donné, et reprendre, c'est volé. Donc voilà, les artistes qui pensent qu'on les pille parce qu'on recopie leurs morceaux, leurs cassettes, leurs machins, ça me saoule grave.